oui, qu'est-ce que c'est? Oui, hein? Oh, j'ai dû m'endormir. Sais-tu que j'ai rêvé que mon traîneau filait dans le ciel, comme une fusée. Oh, c'était merveilleux de voler à travers les étoiles et les nuages. Tiens donc, qu'est-ce que mon lutin m'a apporté? Une carte pour toi? Oh, bonjour, cher Laurin. Ce n'est pas une simple carte. C'est une carte magique, juste pour toi. Et devine qui me l'envoie. Oh! Quelqu'un qui t'aime beaucoup et qui me dit que tu as été bien sage cette année. Tu t'es bien comporté avec ta conjointe. Cette carte a fait un long, très long voyage avant d'arriver ici au pôle Nord. Voyons un peu si elle a gardé toute sa magie. Oh! Oh! Oh, je pense bien que oui. C'est magnifique tout ce qu'on y trouve. Par exemple, je vois ici que tu as beaucoup grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu. Et tu rêves de prendre ta retraite, déjà? Il te faudra travailler fort, mais tu y arriveras, j'en suis sûr. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oh, quelque chose que tu aimerais bien recevoir le soir de Noël. Hein? Oh, une certaine poupée te ferait plaisir, hein? Je vais voir ce que je peux faire. J'ai beaucoup de travail à faire pour que tout soit prêt pour Noël. Heureusement que Mère Noël et les lutins sont là pour me donner un coup de main. Ici, ta carte sera en sûreté. J'y range les lettres et les cartes de tous les enfants que je vais visiter le soir de Noël. Voyons, voyons. Ah! Tu viens d'un beau coin de pays. Voilà. J'ai bien aimé recevoir ta carte magique. Et j'espère en recevoir une autre l'an prochain. Tu sais bien sûr que je suis fier de toi. Non pas parce que tu as été sage, mais parce que j'ai confiance en toi. Et qu'encore cette année, tu feras grandir ton cœur. N'oublie pas de me laisser quelques biscuits, cher Laurent. Joyeux Noël!